Bonjour tout le monde, moi c'est Randel Hermine, mon Camperin. Je travaille pour Haïti Futur, ça fait environ 8 ans, dans le cadre du projet Tableau numérique interactif. Jodi à Haïti Futur, il y a un nouveau projet qui est le jardin scolaire. Moi c'est une personne qui a coordonné le projet. Ça. Moi c'est Jean-Marc Henry, je travaille pour Haïti Futur. Et le projet, ça, c'est moi avec Hermine qui a coordonné. En plus de ça, moi-même, c'est directeur en l'école. Dans une localité que les Gentillottes. Depuis après le tremblement de terre en 2010, nous avons eu nécessité pour nous faire activité jardin scolaire. On te dit, tout plus fort parents aussi agriculteurs, ils ont fait jardin déjà, pour que ça ne va pas mettre ensemble avec eux pour nous faire jardin. Nous avons tout mettre en valeur et potentialité économique qui gagne dans la zone parce que nous sommes une zone qui riche en termes de disponibilité de terre, zone fertile, et mounio. Yo capable de venir autosuffisant. Zone nan gen capacité pour produire, pour nourrir moun yo. Mais nous devons nécessité tout pour nous transmettre savoir faire ça yo que nous depuis ti moun yo à l'école yo pas vle travailler la terre encore. Nous gen l'impression que moun yo à l'école pour yo pas travailler terre. Donc nous te dit faut que nous joignons nos façons pour nous réconcilier yo avec terre. Donc en plus de jardin nous fait avec parents, nous fait jardin avec élèves tout. Nous relé au jardin pédagogique. Et nous voyons qui qualité plaisir Timon yo prend pour yo faire jardin. Yo fait vraiment avec un pile amour, yo très intéressé, yo très motivé. Si nous kembe yo dans ligne ça, on pense que future génération yo a mieux préparé et gen une série de mythes yo gen dans tête yo que travail tête c'est bagay paysan, bagay mon en dehors que y a retiré dans tête yo parce que y a vinn comprendre phénomène là et nous tous nous vivons de la terre. Pour nous débuter le programme, nous avons organisé une visite. Nous avons visité toute l'école que nous avons ciblée. Pour nous être capables d'expliquer qui est ce programme et pour nous être capables de motiver. Pour ça, nous avons préparé un questionnaire. Le questionnaire, ça, c'était une approche participative. Quels sont différents acteurs qui aident la récolte possible dans chaque école? Chaque école n'a pas la même vision et la même exploitation de programme. Nan. Après gagner l'école, c'est le comité de parents qui est en charge de tout, en accord avec le directeur et implication de tout le monde. Je suis Rose Alana Mazan, je suis directrice et femme de Mersan. Le premier jardin que nous avons fait, c'est un jardin pois. Nous avons fait un petit jardin pois, nous avons récolté 10 mamites pois. Sans implication de parents, la direction n'est pas capable de compter. Gen l'autre l'école tout son technicien agricole yo engagé et puis implication élève yo de concert avec directeur là. Bonjour, moi c'est Perlodi Merilan, c'est moi-même qui directeur administratif l'école Saint-Joseph. Moi t'ai pensé moi-même pas gen compétence assez pour un tel bagaille. Donc on s'est amené chercher un technicien agricole qui là et c'est avec lui que nous commençons l'expérience là. Non pas c'est agronome Billy Lexi. Pour les pères de venir avec une initiative comme ça, c'était un bagage qui était extraordinaire pour moi parce que moi, je crois dans le travail, je crois dans le dévouement du travail. Ça le dit, le travail là, c'est à moi-même. Si je ne suis pas très bien, je ne vais pas avancer sans avoir étudié. C'est parce que moi-même, j'ai influencé dans moi qui fait montrer mal étudier sans ça. Et côté encore, je dirais mes mouvements en pile net. Le premier jour, je fait un mouvement ça là. Je suis élève ça là, monsieur ça là. Et c'est mon centre-ville qui est lié. Il n'y a pas rien à travailler la terre. Pour monsieur, c'est ton plus beau expérience. Elle est venue là, mon mère est en face là, m'a partagé dans sa vie d'une manière de sacrer l'agronomie. Gen l'autre l'école, c'est directeur, professeur, élève qui mettaient ensemble pour faire sa marche. Non, moi, c'est Jean-Marie Désir. Moi, c'est professeur sciences expérimentales. Nous apprécions l'initiative, ça, le fait que vous impliquez Timonio dans le travail la terre. Parce que nous, on voit que avec une activité comme ça, ça va le faire tout le monde connaît l'importance de la terre. Si nous ne faisons pas comme ça, dans 10 ans, dans 15 ans, nous ne pouvons pas jouer nos petits bouts. Nous ne pouvons pas jouer nos petits maïs pour nous manger. Parce que si nous ne sommes pas impliqués dans la terre, nous ne pouvons pas chiter des bois. Mais si nous sommes impliqués depuis le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, nouveau secondaire, c'est que nous avons toujours gagné une terre qui est cultivable et une terre qui va nous manger. L'autre école, tout, c'est parents. Qui a une expérience dans l'agriculture, soit un parent technicien agricole qui a un encadrement accompagné de professeurs, accompagné d'élèves, toujours en accord avec le directeur qui permet ça marche. Moi, je suis Lusti Gérald, donc moi, c'est un homme qui est responsable jardin, c'est un parent dans l'école.
ces bacs là. Moi même l'aime lever, me fait jardin avec papa. Mais qu'on a avec évolution du temps, si nous vient comme si perdu pratique là. Comme ça, les moins mal dans jardin avec yo, montrer yo comment yo planter maïs, moi montrer yo comment yo planter pois. On remarquer que les a planté pois là, maïs là, vient puis expert parce que à partir d'expérience que yo fait, yo vient connaître comment jardin fait. C'est ça qui fait gagnant yo, on après qui m'a dit pour ta même prendre maïs pour aller faire jardin par yo, pour aller apprendre, pour aller pratiquer la caillou. Moi-même, non, pas ma sœur Emmanuela, m'a fait 6e année fondamentale. Si yo ta ban yon plant tomate, moi ka apprend, moi planter parce que c'est dans l'école là moi apprendre planter. Là yo ta fait là, moi te wè sa professeur moi te fait, il te prend un bois puis il explique nous fin et bien puis il tracer nous travail. Si par exemple yo ta ban yon plante, moi ka la caille avec moi fait papa diagete pour moi, moi même tout me ka diagete. On juste apprend une précaution bail puis mettez semences et puis l'aile bon nous récolter nous fait bon sauce bon bagaille manger. Comment récolte reparti chaque l'école t'est planté en fonction de zone yo ça t'est la caillo capable produit. Gè l'école qui fait des pots pourris yo font un mélange de culture. Gain qui planter légumes dans une partie et l'autre planter pois. Gain l'école tout qui choisit planter légumes seulement tant qu'aubergine, aubergine, piment, poivron, tomate. Comment récolte ça utiliser? Chaque l'école utilise récolte là selon besoin yo. Moi c'est Felisma Ronaldo. Moi c'est directeur école évangélique restauration des Trois. Nous venons sentir que avec jardin ça gagné amélioration qui portait au niveau établissement parce que nous te gagné en pile difficulté pour capable payer professeur mais les nous récolter jardin ça nous fait des parties avec lui nous bail élève une partie pour consommer la caillou et nous te vendre cette partie dans marché ça te vienne contribuer avec salaire professeur yo ça permet que communauté a vienne plus soudée. Les parents, plusieurs monde mettent tête ensemble pour faire un jardin collectif. Ils ont travaillé ensemble, ils ont échangé, ils ont parlé. Mais ça vient de l'école là en place centrale. Autour de l'école là, toute activité ça a contribué pour faire l'école là marcher. Dans le sens que au lieu que mon n'importe quel monde, un monde qui l'a balle, par exemple, des aide, les mêmes les joignent avec propre ressource, propre courage du travail, joignent moyen pour bay petit li manger, acheter livre, acheter uniforme, payer l'école et ça vient faire mon yo rejoindre dignité autour parce que son bagay qui important au lieu que son moun ka ba ou tout temps ça diminue dans mon yo que c'est ou même qui joindre propre moyen pour sortir pour combattre. Moi le Valmont Gérard Yves, donc moi c'est agriculture que moi fais, c'est là c'est agriculture qui promotion qui pour profession moi c'est là me fait tout à fait moi. C'est un travail, je fais élevage, je suis marié avec la gente travail que je fais. Donc, je suis petit, je suis l'école, c'est avec l'agriculture. L'agriculture, c'est la première instance qui, quel que soit le monde, ne peut pas manger ou pas habiller pour aller dans le bureau. Donc, il y a un peu de monde qui humilie l'agriculture. Donc, c'est comme si son bagage n'est rien pour eux. Donc, je félicite Haïti Futur, taper deux nous avec l'école. Longtemps, autrefois, l'école ça était une ferme école, nous te connait faire agriculture, faire élevage poule poulailler, nous te connait gagner là. Depuis bien longtemps, l'état vient perdre crédibilité li, yo pas fait ça. Tellement m'vinn assez ou bras ouvri, me recevoir Haïti Futur qui vient de timoun yo. Comme ça, ça vient rendre timoun nan vinn bien un bi de travail terre pour pas comprendre travail terre à son ainsi plié parce que c'est timoun yo gagner, c'est plus dans l'X, yo veut vivre. Mais il n'y a pas de agriculture. Parce que l'agriculture est la première instance. Dans tout pays au monde, il y a de l'agriculture première place. Parce que sans l'agriculture, il n'y a pas de la vie.